Salut les métalleux. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année sans festival. Alors oui, changement de décor, ou plutôt absence de décor, j'expérimente une formule épurée. Bon, vous êtes comme moi, vous attendez le prochain Star One. Alors j'ai un truc pour vous en attendant. Jonathan Barwick est un Australien qui se prend pour Arjun Lucassen et Ramin Djawadi. Du moins sur son dernier album Power, Wisdom, Courage. Une fois de plus, c'est Kamen Riff qui m'a fait découvrir cette perle sur Twitter. Alors, merci à lui. Il semble particulièrement affectionner les trucs qui déchirent sévère. Mais de temps en temps, il s'attendrit un chouïa, comme ici. Fierce Deity joue dans la cour du power metal progressif épique avec 3 titres à rallonge de 8 à 13 minutes. Sachez tout de même que si vous vous aventurez sur ses autres productions, Power, Wisdom, Courage n'est pas franchement représentatif du reste, même si c'est plutôt bon. Vous connaissez Arjun ? Qui a dit non ? Aaron, Star One, du metal prog à clavier avec des invités, mais connaissez-vous Ramin Djawadi, non? C'est le compositeur de la BO de la série Game of Thrones. Vous savez le machin que l'on entend partout massacré lors des auditions de classe de violoncelle? Jonathan, le gars derrière Fierce Deity, joue tout seul, contrairement à Arjun. Et s'il reprend le thème de Game of Thrones, il le fait avec intelligence dans le dernier morceau intitulé Courage. Ne vous y trompez pas! La flûte gentillette de Power est vite remplacée par des chœurs lyriques et un bon gros power metal de derrière les fagots où les claviers rappellent furieusement Aaron. De même, le court Wisdom, seulement 8 minutes après tout, au chant limite crié, après des claviers pouet pouet, lance une charge lourde au riff épais et au refrain martial. Ce long EP, ou court LP, comme vous voudrez, s'achève avec le grand format Courage, qui démarre comme un bon vieux diesel avant d'atteindre son régime de croisière. C'est là que s'incruste une version épurée du main title de Game of Thrones, ajoutant, s'il était besoin, une touche épique à la charge de guitare. Il n'y a franchement rien à jeter dans Power, Wisdom, Courage. C'est du lourd épique à souhait qui a même su gagner les faveurs de mon épouse, c'est tout dire. Allez l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez, il est sur Bandcamp. Et le premier d'entre vous qui m'enverra un commentaire sur le blog aura même droit à un code de téléchargement pour l'écouter chez lui. La semaine prochaine, je vous parlerai de 4 albums qui ne m'ont pas totalement convaincu. Oui, encore. Allez, bisous, à bientôt.